Bonjour, bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons réaliser un phare tout couteau très très moderne. Si vous aimez mes vidéos et que vous ne voulez en rater aucune, il suffit de vous abonner. C'est facile et c'est gratuit. Il suffit de cliquer sur la petite cloche et vous recevrez des notifications à chaque nouvelle sortie de vidéo. En attendant, à nos couteaux! Pour réaliser ce tableau, j'ai utilisé une toile en coton, tout simplement. C'est du 60 par 80. J'aurais très bien pu utiliser du lin ou un format différent si je l'avais souhaité. Je l'ai enduite d'une couche fine de gesso ou d'acrylique blanche. J'ai séché au sèche-cheveux. J'ai fait mon croquis au crayon à papier et je peux commencer. J'aurai besoin de bleu outremer, de gris de peine, de noir, terre de sienne brûlée, terre d'ombre brûlée, un petit peu d'orange, rouge écarlate et du blanc. Première étape, je vais prendre de la terre de sienne brûlée et je vais l'appliquer tout autour de mon fard, pour le moment sur ma partie haute. Je fais une couche très fine, c'est juste pour teinter ma toile pour que le fond ne soit plus blanc. Je prépare un mélange avec du blanc, du bleu outremer et du gris de peine. En fait, je divise. Je fais une partie un petit peu plus claire et une partie un petit peu plus foncée. Et je vais jouer avec les deux couleurs sur mon tableau. Mon couteau n'est pas complètement à plat, il est légèrement décollé. Et je fais des petits accords courts en ramenant la couleur vers moi. Il y a un petit peu de terre de sienne brûlée qui va remonter, ça fait partie de mon ciel. Je travaille volontairement la partie haute avec du gris de peine pur. Et je vais dégrader le plus clair avec le gris de peine. Je viens maintenant avec mon couteau propre faire des percées de lumière à travers ce ciel qui est très très fort. J'essuie toujours le couteau avant de le rentrer dans ma couleur sur la palette.
il est maintenant à portée de la lumière de façon oblique en tirant ces blancs. J'effleure. Je prends maintenant du bleu outre-mer avec du noir et du blanc. Une couleur assez soutenue et je vais faire la ligne d'horizon. Je réalise un mélange toujours de bleu outre-mer, mais là très peu de noir et du blanc. Et je viens faire glisser cette nouvelle couleur sur mon nom. Je viens glisser maintenant un petit peu de blanc.
et un tout petit peu de terre de sienne brûlée mélangée avec du blanc. Avec une petite lingette humidifiée ou un chiffon ou ce que vous avez sous la main, je viens réouvrir un peu. Vous pouvez mettre un petit peu de white spirit, ça aide à bien enlever la peinture qui a débordé. Ou alors, si vous avez bien travaillé, il n'y a pas de peinture à enlever. Moi, j'ai pas très bien travaillé. Je peins la totalité du fard en noir, sauf le petit chapeau qui sera rouge. Très raclé. Je réalise un mélange avec un petit peu d'orange et d'écarlate pour faire le petit chapeau. Je mets un petit peu d'orange pour apporter de la lumière. Je mets un petit peu de blanc ici, là où il est censé y avoir des vitres. Et j'applique du blanc en effleurant et avec un mouvement légèrement cylindrique.
je prends un petit peu d'ocre jaune que je mélange avec un petit peu de blanc. Et je viens appliquer cette couleur à droite. Toujours de manière cylindrique. J'applique maintenant un petit peu de terre de sienne brûlée et de blanc, toujours à droite. J'équilibre en effleurant. Je mets un petit peu d'essence de térébenthine dans mon noir pour le liquéfier un peu. Ce sera plus facile pour moi de venir faire la plateforme qu'il y a en haut de mon fond. La base est un restant de mélange outre-mer et noir que j'avais réalisé tout à l'heure. Je le salis un petit peu. Je réalise la porte d'entrée du feu. Et je simule les escaliers qui nous permettent
d'accéder à la porte. Je prends de l'ombre brûlée et je viens dans le lointain former des côtes rocheuses. Je mets un petit peu de noir à peine à leur base et je viens éclairer avec de la terre de sienne brûlée et du blanc. Toujours avec de l'ombre brûlée à peine additionnée de noir, je viens créer sur le côté quelques rochers supplémentaires. Je les éclaire avec de l'ocre jaune et du blanc. Et de manière aléatoire, avec de la terre de sienne. Et du blanc. J'alterne les deux pour avoir une belle lumière. Et je tire. Pour la plage, je prends de l'ocre jaune et du blanc que je ne mélange pas bien. Là, j'avais du noir qui était tombé, c'était sale, mais ce n'est pas grave. Je m'en moque et je continue. Je peux m'aider des doigts pour lier mon eau et mon sable. Ici, il va y avoir des rochers, donc je vais finir le patron.
Avec du noir, je forme. Rocher. Du noir et de l'ombre brûlé, pardon. Ce sera plus chaud. Pour apporter de la lumière ici, je viens styliser deux voiliers dans le lointain. Et toujours pour apporter de la lumière et de la vie dans ma composition, quelques mouettes. Corps blanc, les ailes noires ou gris de peine, ce qui peut vous rester sur le coin de l'assiette. Enfin, pour montrer que la nuit est là, je mets un tout petit peu d'essence de térébenthine et de white spirit dans mon assiette. Je mélange bien dans mon assiette de blanc, je ne l'ai pas précisé. Je mélange bien et je viens projeter des fines gouttelettes pour donner une impression d'étoile en haut de la composition. Également en ajouter un peu en bas si je veux donner une impression d'écume. Voilà, cette vidéo est terminée. J'espère que ça vous a plu. J'espère que ce phare
autant que Fouleur vous a plu. Si vous avez aimé, vous pouvez me laisser un petit pouce bleu. J'aime, vous pouvez me laisser un message. Et surtout, vous pouvez vous abonner. Et en actionnant la petite cloche, vous recevrez des notifications pour les prochaines vidéos. Si vous voulez voir les plus anciennes, il n'y a rien de plus facile. Il suffit d'aller dans l'onglet vidéos de ma chaîne et vous faites défiler. Il y en a plus de 100 pour tous les goûts et pour tous les niveaux. En attendant, je vous souhaite une belle journée. Je vous dis à très vite. Au revoir.